Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Just Move, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Harry Potter Lego année 5 à 7. Excusez-moi, j'aurais vite fait ma caméra. Et toujours comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver. Petite dose de café. Et donc, on est de retour à Poudlard après cette petite excursion chez Sirius Black. On est de retour à Poudlard. Donc pour de nouvelles aventures choc à pic, comme d'habitude. Non, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Donc comme vous avez peut-être pu le remarquer ou non, mais certains des épisodes sont faits à l'avance. Tout simplement parce que je ne peux pas me considérer comme un gros youtubeur. Donc je ne peux pas vivre de ça et je ne compte pas vivre de ça. Si je vois que ma chaîne a trop d'importance et que je pourrais en vivre, je ne pense pas honnêtement aimer ça. Enfin, j'aime... C'est-à-dire que je vivrais sur votre dos en fait. Et ça, je ne pense pas apprécier. Donc là, on va se retrouver avec l'armée de Dumbledore. Rappelez-vous, cette armée qu'Harry Potter avait créée. Donc là, on va apprendre, si je me souviens pas dans mon ancienne aventure, que j'avais fait sans filmer, on va apprendre à utiliser Expecto Patronum, donc le sort pour repousser les épouvantards qu'on a pu voir dans l'épisode numéro 1 de ce Harry Potter. Donc là, c'est Neville Londubat qui donc, apprend que... Je sais pas si vous vous rappelez, Bellatrix Lestrange s'était évadé. Donc là, on lance le sortilège et paf, Neville a réussi. On a un change avec la petite Luna. Alors, avec Luna, c'est pas pareil après, je vous dis. C'est pas du tout pareil. Alors là, il y a des choses à faire. Voilà, on enlève ça. On active ça. Alors, est-ce que ça va nous mettre un cercle? Envelin. Amène-toi. Non, merde. Désolé, Hermione. Ou Ginny, ou je sais pas. Et voilà, avec Luna, c'est fait. On peut remarquer sur le tableau que à chaque fois que l'on va faire une étape, il va y avoir une petite flèche qui va s'indiquer. Et donc là, on attaque Ron. Donc Ron, le neuneu des Harry Potter pour moi, excusez-moi de vous le dire. Les fans de Ron. Moi, ce n'est pas mon cas. Bon, il est gentil, mais... Je connais pas particulièrement. On ne peut pas juger une personne sur son état d'esprit. Tout d'abord, déjà, c'est un jeu. Donc voilà. Donc là, je pousse. Ça va me faire tomber normalement des choses. Alors là, il faut que je trouve qu'il y ait quoi faire. Quoi. Ah, voilà. Donc là, il faut que je sorte. Merde. Le petit lézard ou le machin là. De Ron, allez, on avance, on prend les pièces. Ah, si je le repousse plus, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Celui-là, je vais le pousser aussi. D'accord, ça m'aide, et comme ça, je peux obtenir... Voilà, donc cette petite clé. Je reviens à Ron. Excusez-moi si je parle un petit peu vite, c'est que je suis un petit peu énervé ce soir. La journée s'est pas forcément très bien passée, comme vous pouvez le savoir, moi j'ai repris le boulot depuis lundi. Et les bonnes nouvelles ne sont pas de la partie, je peux vous l'assurer. Donc je suis un petit peu énervé en ce moment. Et donc allez... On affronte ça avec Ron. Et on réussit, bien évidemment, parce que je suis trop fort. On enchaîne avec... Non, là, c'est Hermione. Et à côté, c'est Ginny. Donc là, c'est simple. Elle, c'est la seule à avoir un bouquin. Donc on regarde. Fiole. Lune. Ah merde, j'ai raté propre. C'est ça. Tac, tac, tac. Oh, le con. Imaginez que j'ai raté ça. C'est quand même assez décevant. Et pour moi, et pour vous, parce que c'est un truc qu'on... Même un gamin peut le faire. Et voilà, ça c'est fait. Là, je vais avoir des choses à construire. Quoi faire? D'accord. Oh la gueule. Et voilà, donc je ne sais pas si on a fini avec tout le monde. Il va nous en manquer quelqu'un, non? Ginny. Voilà, là, voilà, Ginny. Alors je ne sais pas du tout quoi faire avec Ginny. Honnêtement, je vous le dis. On va essayer de détruire les deux cibles. Boum. C'était... Ah! Peut-être que c'était ça, parce que... C'est pas des choses à cette quantité, c'est pas ce qui apparaît le plus souvent. Donc là, je vais... Hop, voilà. Et le voilà. Allez, à bientôt, mon gros vilain.
Et hop, c'est fini. Donc on finit très vite, quand même, en 5 minutes, j'ai pu faire cette partie-là. Donc je gagne le sortilège du Patronus. Une brique dorée. Voilà, boum. Donc on continue l'histoire. Donc là, je sais pas si vous avez vu le film, mais ils font apparaître les Patronus. Donc le Patronus d'Harry Potter est un cerf, un lapin, celui d'Hermione un furet. Et donc là, c'est la catastrophe. La dame en rose, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elle va arriver. Et donc voilà, au final, ils se font découvrir et l'armée de Dumbledore va donc se casser. Mais pas pour longtemps, mesdames et messieurs, puisqu'ils vont réapparaître. Donc nous avons Ruzard et l'enfoiré de Drago Malfoy. Et donc, Cho. Et donc on se retrouve sur... avec Dumbledore. Et Dumbledore apprend donc qu'il est défait de ses flexions. Et donc c'est la vieille Rose qui va prendre sa place. Donc il a beau le défendre. Et hop, le phénix va arriver. Enfin, dans le film, il arrive du premier coup. Hein. Et donc il va pouvoir s'échapper, Dumbledore. Et voilà. Et donc elle est en colère. Allez, on est reparti, bien évidemment. On va pouvoir reprendre Harry. Alors là, merde. Réfléchis. Il n'y a pas de pièce fantôme. Par contre, il y a la porte qui s'ouvre. Est-ce que ça ne serait pas ça? Peut-être. Peut-être. On va voir ça tout de suite. Ouais, à mon avis, c'est pas là. Non, il n'y a aucune pièce fantôme, il n'y a rien. Je rigole honnêtement si je suis bloqué à un niveau comme ça. Parce que une intermission comme ça, c'est quand même un petit peu nul. Ah, t'as besoin de quelque chose, toi. On va voir si je peux le tromper facilement. Merde, c'est vrai que... Non. Il me faut le sort jaune et personne ne l'a. Donc là... Putain, je sais pas du tout où aller, ça me saoule. Enfin, je regarde... Ah, il y a des pièces fantômes qui sont apparues. Depuis, bon, bah, c'est tant mieux. Ça, hop. J'ai essayé un saut across the map, comme sur Call of Duty. Donc, comme je l'ai publié sur une vidéo récemment qui ne dure pas très longtemps, où je suis en IRL, vous pouvez désormais me proposer vos demandes de zombies, et sur quel map, enfin, pas sur quel map, mais comment je vais les faire, entre parenthèses. Allez, mets ton cul, toi, vieux fantôme pourri. Hein. Ah. Allez, on y va tout doucement. Qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant ce chemin? Ah oui. Donc là, je pense qu'on va faire comme dans le film, on va aller dans la forêt interdite. Trouver, vous savez, le géant, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, ouais, c'est ça. Alors, je suis étonné qu'il n'y ait pas encore eu de match de Quidditch. Je sais plus s'il y en a ou non, j'ai envie de vous dire. Donc là, on arrive chez donc Hagrid. Hagrid, donc, il joue un petit rappel, est le meilleur ami de Harry Potter ici. Donc après, Ron et Weasley, c'est un ami adulte, mais c'est un ami sur qui on peut compter. Et donc là, on retrouve les centaures. Les centaures qui sont en colère parce qu'ils perdent leur territoire. Le ministère de la magie leur prend leur territoire, en gros. Allez, on y va. Non, alors là, il faut que je prenne directement Hagrid, puisqu'il y a un instrument de force. Même si Hagrid, c'est pas le meilleur, il est au moins utile pour ça. Hop, on enchaîne sur Harry. Harry qui va pouvoir, je pense, voilà, faire lever la plante. Même pas un trou dedans. Il est utile. Ok, ensuite, il faut... Il n'y a pas le chien, nous. Merde, comment je peux faire? Oui, le chat de Hermione. Hop, on est reparti avec le chat de Hermione qui va creuser pour pouvoir donc découvrir des choses, parce que j'en ai besoin. C'est un arroseur géant, truc utile quoi. Dans ce... Non, on le lève. Alors là, on va aller arroser ici, je pense. Voilà, exactement. Et donc ça va faire pousser des lianes et qui vont faire apparaître des plus grosses feuilles, je pense. Voilà, exactement. Donc, on va essayer de tirer dans celle-là. Oula, à mon avis, c'était pas la chose à faire, mais bon. Est-ce qu'on peut pas grimper comme ça? Putain, c'est meilleur ça.
Il y a des choses qui se cachent peut-être en dessous. On ne sait pas. Mais par contre, là, il y a de grandes possibilités. Donc, je vise. On peut pas la dégommer. On peut la dégommer. Par contre, ce qu'on peut dégommer, je pense, c'est la chouette qui est en haut. Exactement. La chouette. Et donc, voilà. Là, j'ai la totalité pour faire, justement, cette sorte de petit ascenseur. Je présume. Pour pouvoir... Non, c'est... Et un bon voile. Pour pouvoir, avancer dans ce niveau-là. Donc là, on arrive, on va trouver, je sais plus du tout comment il s'appelle, honnêtement, j'ai envie de vous le dire. Je sais pas, mais en tout cas, il vit là. Donc là, il va falloir en fait trouver des instruments de musique pour l'amuser. Comme une sonnette, c'est pas un niveau compliqué, hein. Mais il faut le faire, évidemment. Donc, comme d'habitude, dites-moi si vous voulez que je continue, oui ou non. Ces épisodes sur ce Harry Potter, moi ça me fait plaisir évidemment de vous en faire, mais si évidemment vous ça ne vous intéresse pas du tout, je vois pas la raison de continuer, donc voilà au final. Donc à gré d'esprit que pour le faire lâcher, il va falloir utiliser donc des instruments de musique. Donc là, c'est, on va trouver un petit peu de tout, je pense. Mais on va trouver quoi. On commence par enlever ce qu'il y avait comme merde dans une brouette et elle s'en va, c'est génial. Ah par contre, ça m'a rapporté gros. Alors, non, il faut que je trouve les instruments, donc voilà. Qu'il a fait. Donc là, il faut... je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait, j'ai envie de vous dire. C'est utile parce que je sais pas du tout quoi faire quoi. En fait. Voilà, là déjà c'est pas mal. Si j'ai trouvé ça. Allez, trouve-moi d'instrument, je m'en fous des pièces. J'ai dit dans plusieurs. Là, c'est pas là. Je peux pas monter sur l'heure 2, par contre à l'autre je suis sûr que je peux monter. Et merde. Ah désolé pour le gros mot mais ça me. En fait j'aime pas réussir, ça va être ça le truc. Et là, je sais pas pourquoi je galère en plus. Je trouve rien du tout en fait. Ah, peut-être que... Voilà, une trompette. On fait de la musique en plus, c'est excellent. Donc on va s'arrêter là donc, pour cette vidéo. Je vous retrouverai donc après cette petite histoire avec ce gros. Vous avez compris qu'est-ce que je dois faire. Je vous retrouve quand j'ai fini la mission. Et je vous dis bye bye, à plus. Et on se retrouve tout de suite après pour moi. Et donc pour vous sur la prochaine vidéo, l'épisode 8 de cette aventure sur Harry Potter. Allez, bye bye.